Salut tout le monde! Eh ben aujourd'hui, mercredi 31 mars 2021, eh ben voilà, mon Madi Boom est terminé. Et je vous montre ça. Allez, c'est parti! Ben voilà, donc ben on va déjà commencer par montrer la douche, donc douche extérieure, hein. Avec le soleil qui fait et tout, donc nickel, hein. Donc allez, je vous fais voir ça. Alors, ben voilà la table, hein, pour manger. Ben là, je profite vraiment du soleil, hein. Et après, je vous ferai voir les nouvelles choses dans le camion. Donc alors la douche, donc la douche, ben tout le monde connaît ce style de douche, hein. Alors c'est pas une douche Décathlon, moi, là non, il n'y avait pas, et là j'ai trouvé quand même moins cher à 30 euros la cabine, donc voilà. Mais après ça reste pareil, hein. Donc voilà, alors ben vous pouvez voir le calbotis, le shampoing, tout le machin. Et puis ben, bien entendu, hein, la douche. Voilà, donc franchement, hein, c'est pas mal, hein. Bon, ben, il y a une petite poche. Par contre, il n'y a pas de crochet comme celle de Decathlon. Il n'y a pas de crochet pour prendre la douchette. Mais ça fait rien, je la mets là-dedans, dans la pochette. Et puis voilà. Donc voilà. Et franchement, ben, c'est nickel, quoi. Hein, vous pouvez voir, c'est franchement nickel. Donc voilà. Alors après, je vais. Donc voilà la douche, hein. Donc pour la douche, ben voilà, hein, bon, une douche et une douche, hein. Alors maintenant, la nouveauté, et ben voilà, je me suis décidé, j'ai pas mes portes. Donc j'ai pas mes portes en blanc. Et ben oui, on est quand même beaucoup mieux, hein, franchement. On est beaucoup mieux. Alors après, alors l'intérieur, ben l'intérieur, ça y est, hein. Donc l'intérieur, comme vous pouvez voir, eh ben c'est tout habillé. Voilà, c'est tout habillé, décoré, les rideaux, machin. Ben voilà, hein. Pareil ici. Alors pas le bas. Le bas ici, je l'ai pas fait parce que le bas, ça va être fermé. Mais oui, j'ai mis. Alors, je vais vous faire voir ça. Je vais enlever pour vous faire voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé. Donc j'ai mis, pareil, hein, j'ai habillé, mais alors pas avec le même, pas avec le même tissu, mais ça fait rien, ça. Hein, donc j'ai tout. Tout habillé. Et puis franchement, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. On voit que c'est quand même beaucoup plus plus propre. C'est quand même beaucoup plus propre. Et puis voilà, et puis ça éclaircit bien, quoi. Alors un truc par contre. Un truc, ouais, alors je vais vous faire voir un truc où là j'ai quand même fait peut-être un petit peu le con. Alors
je ne sais pas si je vous avais montré, mais ici, les coffres. Donc les coffres, c'était des grands coffres à la base. Hein. Et maintenant, je les ai rétrécis. Enfin, j'ai racheté des petits coffres, et puis les grands, ben, je m'en suis débarrassé. Enfin, non, débarrassé. Je les ai donnés à la copine. Mais par contre, pour les coffres, il n'y a pas de souci. Par contre, la table, ben, je l'ai raccourcie, mais je l'ai trop raccourcie. Voilà, je l'ai trop raccourcie. Il aurait fallu rallonger, à peu près, que ce soit plus long. Mais bon, ça, voilà, je vais regarder si j'ai pas une planche, machin, puis je la rallonge. Hein, c'est pas vraiment le souci. Donc voilà. Alors là, ben. Voilà, dans le sens, hein, ben, vous voyez, hein, là c'est tout clair, décoré, enfin franchement. Donc voilà, ici, ben, voilà, là on va mieux y voir. Hein. Regardez quand je relève, vous voyez, c'est tout blanc. Voilà. Et c'est franchement mieux. Par contre, je vais vous faire voir la petite nouveauté que je me suis fait là. Alors, c'est franchement cool. C'est cette petite table à apéro. Enfin, une tablette. Bon, pas apéro. Mais voilà, je préfère pour l'apéro. Donc voilà. Voilà, table à apéro. Alors. Ben là, comme vous pouvez le voir, hein, on a une tablette donc, que j'ai relié là, j'ai fait un trou dans le plateau pour pouvoir l'attacher. Et puis ouais, c'est pas mal quoi, hein, c'est pas mal. Alors par contre, quand je la replie, il suffit d'enlever ça. Et puis regardez. Voilà. Donc il y a deux charnières et une cordelette. Et voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Donc ça, ben, c'est pour, voyez, là je suis franchement tranquille, voilà, hein. Donc que ça soit de ce côté là, on peut être deux, voilà, hein. On peut être deux autour, voilà, c'est cool, hein. Voilà, donc ben, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça, et puis donc ben nous il faut savoir que on est confinés, nous. On est confinés, donc on est confinés. Donc je suis dans l'Ain, normalement j'aurais pas dû venir dans l'Ain, mais en même temps je suis nomade, hein, donc voilà. Mais donc on est confinés, donc. Puis en plus c'est vraiment limitrophe où je suis là, ben, Ballan, hein, je suis toujours à Ballan pour le moment, mais ça y est, on va arrêter Ballan. Voilà, dernière semaine à Ballan et après je m'en vais. Voilà. Ballan, donc c'est dans l'Ain, mais c'est vraiment limite. Donc voilà, 10 km, on n'a pas le droit de s'écarter de plus de 10 km. Et pas changer de département. Donc dans le Rhône, on est confiné. Dans l'Ain, ils sont pas confinés. Voilà. voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà, hein, donc je vous refais voir encore un petit peu le tour. Hein. Donc ben, moi franchement, voilà donc. Hein, c'est franchement pas mal. Ça, là maintenant, on commence à être. Bon, ben, il y a toujours Nounours. Hein. Il y a toujours Nounours.
Alors c'est toujours là lui. Donc voilà. Bon ben. Une porte. Voilà, tout blanc. Ah, c'est bien mieux, franchement, ben, ça fait déjà beaucoup plus propre. Alors, sur les jointures, là, oui, je pense que je vais essayer de calfeutrer ces jointures parce que ça fait dégueulasse, moi je trouve. C'est pas beau, c'est pas propre. C'est pas beau, c'est pas propre, donc je vais calfeutrer. Voilà, donc, allez, on refait un petit peu le tour. Voilà la douche. La cabine de douche, franchement, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ben j'ai installé la... J'ai installé la... La table. Voilà, dehors, hein, tranquille. C'est... Voilà. On est pas mal. Ouais, j'avais envie de faire quelque chose de sympa. Donc ce week-end, ben, je vous referai une vidéo parce que ce week-end, ben, bon, ils annoncent de la pluie, mais ils annoncent de la pluie, mais malgré tout ça, ben, avec Isabelle, on va partir pour le week-end, sur un week-end de 3 jours. Donc on va partir bon, pas loin, puisque, puisqu'on ne peut pas sortir au-delà de 10 km. Donc on va aller sur l'aire de camping-car de Jonc, qui ouvre demain, donc qui ouvre le 1er avril. Alors espérons que ça ne soit pas un poisson. Non, j'ai appelé la mairie pour savoir. Donc il ouvre bien le 1er avril. Donc on va aller... Eh bien, on va aller passer 3 jours à partir de samedi sur l'aire de camping-car de Jonc. Voilà. Ben sinon, voilà. Hein. Sinon, voilà. Et puis, ben, j'espère que vous allez tous bien. Un bon café à tout le monde. Et puis, ben, vous voyez, hein, là, il fait chaud d'un coup, là. Eh bien, là, j'ai 23,5 extérieur et 23,2 intérieur. Donc, ouais, donc on est pas mal. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci aux nouveaux abonnés. Encore un grand merci aux nouveaux abonnés et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures et puis en espérant vous rencontrer, hein. Voilà, allez, ciao, ciao, bye bye.